humains portent-ils des vêtements? Est-ce qu'ils prennent aussi soin que toi de leur apparence? Eh bien oui, Palmon, c'est important pour donner une bonne image de toi en société. Mais malheureusement, je remarque que ce n'est pas la priorité de chacun. Si on prend Tai Chi, par exemple, il est plutôt négligé. Je sais qu'il est capitaine de l'équipe de foot, mais quand même, il pourrait laisser ses vêtements sportifs pour les matchs et non pour la ville. Mais qu'est-ce que c'est le football, Mimi? Ça se mange? Mais non, Palmon! C'est un sport auquel les garçons adorent jouer. En fait, c'est un jeu stupide où tout le monde court après un ballon pour y taper leurs pieds. Les garçons deviennent tellement fous quand ils jouent à ça. Oh, d'accord. Je ne connaissais pas. Ça a l'air drôle. Au fait, Mimi, à quoi servent les lunettes que Tai Chi a sur la tête? Ça, je ne sais pas trop, Palmon. Normalement, on utilise les lunettes pour se protéger les yeux de la lumière. Après, on peut aussi les utiliser comme accessoire de mode, bien sûr, mais dans le cas de Tai Chi, si c'est un effet de style, je ne trouve pas ça très mignon. Il se croit à la piscine ou quoi? Ah, je pense que c'est un accessoire pour que ses cheveux restent en place quand il y a du vent. D'ailleurs, c'est... Oh oui, c'est vrai! Maintenant que tu le dis, le vent! Ce sont des lunettes d'aviateur! Mais Mimi, tu m'as coupée! Oh, pardon, Palmon! Je disais que c'était une bonne astuce, car sans ça, il serait sûrement tout tombant, comme les miens. Ah oui, tu as sûrement raison, Palmon. Mais ne t'en fais pas, la prochaine fois, je t'amène mes produits favoris pour que tu aies une chevelure d'enfer! Mais tu es sûre que ça va marcher sur moi? Mais oui, bien sûr! Mes produits sont miraculeux! Ils fonctionnent sur tout le monde! Mimi, on s'égare là! Revenons sur le style de Tai Chi! Oh, c'est vrai! Tai Chi n'a pas vraiment le sens du style. Ses vêtements ne sont pas ajustés et puis ses baskets... C'est juste bon pour aller faire du sport et je déteste les cours d'éducation physique! Mais ses vêtements sont plus pratiques pour bouger. J'aurais du mal à mouvoir mes membres pour lancer mon Poison Ivy si je portais des vêtements à ma taille. S'il est sportif, il vaut mieux être confortable. Donc, c'est quand même un style qui lui correspond, non? Eh bien, tu n'as pas tort, Palmon. Les sportifs ont leur propre style, après tout. Peut-être même que ça lui donne un certain charisme aussi. Oh, je sais! Je suis sûre qu'on serait bien assortis, lui en maillot de foot et moi en tenue de cheerleader. C'est quoi une cheerleader? Une cheerleader, c'est une danseuse qui est présente lors des matchs de foot dans le but de soutenir son équipe préférée. Attends, je vais t'apprendre à devenir une vraie cheerleader. Fais comme moi. Tu répètes après moi, hein? Donnez-moi un T. Donnez-moi un T. Regarde, donnez-moi un A. Donnez-moi un A. Ouais, super. Donnez-moi un I. Donnez-moi un I. Allez, Tai Chi. Bravo, Palmon. Merci beaucoup, Mimi. Maintenant, je pourrai soutenir mes amis lors des combats Digimon. Exactement. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. C'était Palmon et Mimi Tachikawa dans la rubrique La Chronique reste chic, même dans le monde numérique. À la prochaine.